secteur de la construction est donc un secteur porteur. Tout à fait. Je vous propose de découvrir un jeune homme que tout le monde s'arrache. Justin Mortaudet est l'architecte le plus en vue du moment. Sa renommée, il l'a acquise en postant des vidéos sur Internet. Nous l'avons rencontré entre Dakar et N'Djamena. Ça va ? Oui, ça se passe bien. Aujourd'hui, dans ce cabinet d'architecture à N'Djamena, un invité exceptionnel a fait le déplacement. La hauteur du rez-de-chaussée, la hauteur de ce niveau-là, si vous mesurez normalement, ça doit faire 3 mètres. C'est 3 mètres. Habitation, je précise, habitation. Parce que quand c'est ça, les spectacles, c'est un peu plus grand. Quand c'est les hôpitaux, c'est un peu plus rapproché. Cet homme, c'est Justin Mortaudet. Et ici, tout le monde le connaît, car ce jeune architecte de 29 ans est aussi une star sur YouTube. Et ça, c'est peut-être un secret que je vous donne ici. La plupart des clients qui me connaissent, ils me connaissent via Internet. Quelqu'un qui se met vraiment sur Internet ici, il peut se trouver beaucoup de clients à N'Djamena. Justin, c'est plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sur ses chaînes YouTube, il délivre des conseils pour construire moins cher. Portrait d'un architecte devenu la coqueluche du web africain. Lorsqu'il fait des formations, Justin met l'accent sur la technique et le business. Ce qu'on va faire, on va d'abord installer les logiciels. Débrouillez-vous, lui il a déjà des logiciels. Donc vous copiez, c'est ça ? À N'Djamena, plus de la moitié des architectes a été formé dans les années 60. Au niveau technique, il enseigne à ses élèves les nouveaux procédés qui existent. Il y a des méthodes d'automatisation de projet. Ça faisait peur quand on te dit tu dois faire un projet sur 4 hectares en 24 heures. Ça étonne les gens, c'est un peu surprenant, c'est un peu bizarre parce que quand on réfléchit aux vieux architectes en train de griffonner. Grâce à Internet, ces formations s'arrachent comme des petits pains. J'ai formé plus de 1500 personnes déjà. Vous pouvez venir sur ma page, je lui mets le lien de la formation là-bas. Tu entres les informations, tu payes et puis tu reçois ta formation de façon automatique. Mais si c'est des cabinets où je dois me déplacer, aller dans les cabinets, ça c'est plus de 100 cabinets déjà formés. Une fois qu'il a fini avec la technique, il devient coach en business. Ça c'est deux premiers échanges avec le client. Vous dites, ok, quelles sont les modalités de collaboration pour commencer le travail? Ça c'est dans la partie purement business du projet. Et là, il apprend à ses élèves comment augmenter leurs revenus sur leur projet. Toi, tu voulais des boutiques, mais comme il y a déjà une pharmacie à côté, on ne peut pas mettre pharmacie là-bas. Vous lui faites d'autres propositions pour qu'il dise que ah, le gars, là, il connaît son travail. Ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Lorsqu'il crée sa chaîne YouTube en 2017, Justin s'adresse uniquement aux architectes. Mais très vite, ses vidéos attirent une nouvelle cible. Dakar, à 4600 km de N'Djamena. C'est ici que nous retrouvons Justin. Aujourd'hui pour lui, c'est jour de tournage. Sécurisé, mais surtout des terrains fiables. Ses abonnés YouTube lui ont posé des questions. Il a décidé d'y répondre en vidéo. En l'achat du terrain, il faut déléguer. Mais n'achetez jamais un terrain où vous n'avez pas vu. Lorsqu'il arrive sur YouTube avec ses vidéos sur la construction, il aborde des sujets très techniques. Malgré ça, son audience s'élargit. Alors, il adapte son vocabulaire, ses lieux de tournage et les thèmes qu'il aborde. Alors, ma première vidéo sur YouTube remonte au 1er novembre 2018. Et sur YouTube, Justin Architecte, sur ma première chaîne YouTube Justin Architecte, je publie essentiellement du contenu lié au BTP, donc au bâtiment et aux travaux publics. J'ai commencé à publier des vidéos sur l'architecture, donc comment utiliser les logiciels d'architecture. Le nombre de vues sur ces vidéos grimpe rapidement et Justin y voit une opportunité de business. Alors le professionnel le plus indiqué dans ces secteurs, c'est le notaire. Je vous recommande vivement d'acheter vos terrains devant le notaire. Alors c'est beaucoup plus sécurisant, c'est ce que moi je fais que je vous dis de faire. Lorsqu'il parle de prestataire, comme il le fait pour le notaire aujourd'hui, il glisse le nom d'une entreprise. Une entreprise qui le rémunère pour être cité. On appelle ça un placement de produit. C'est comme ça qu'il a commencé à se faire de l'argent sur YouTube. Et très vite, il a trouvé d'autres techniques. Dans le business Internet, il faut donner 80% de contenu gratuit et 20% de contenu payant. Je publie des vidéos où j'explique aux gens comment utiliser un logiciel pour faire un bâtiment de R+1.
Après, je dis, ceux qui veulent faire des R+10, ou bien ceux qui veulent faire des gros projets, vous pouvez avoir mon accompagnement personnel. Et la deuxième source de revenus, comment faire entrer d'argent, c'est au niveau des personnes qui me voient sur des chantiers, des personnes qui me voient parler des bâtiments et qui ont des projets de construction. Donc YouTube, c'est vraiment un bon business. Donc c'est rentable? Non, c'est rentable. Depuis 2018, Justin a construit une cinquantaine de villas et immeubles au Sénégal, où il vit, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Cameroun. Des projets de ce qu'il appelle désormais ses clients YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis très bientôt. Ce dimanche d'ailleurs, il a rendez-vous avec l'un d'entre eux. Alors Tafa, comment tu vas? Ça va? Mustapha, lui, il ne vit pas à Dakar, mais il vient très souvent ici et il est en train de réaliser ses projets. Donc, il est venu pour faire une visite d'état des lieux. Donc, je vais lui faire visiter un peu l'avancement des travaux. Sa stratégie de transformer ses abonnés en clients fonctionne. Il y a un an, c'est Mustapha qui le contacte sur YouTube pour un projet sur un terrain de 150 mètres carrés. Au début de ma carrière, j'étais celui qui courait derrière les clients. Quand un client m'appelle, bon, généralement, c'était des recommandations. Je connais mon petit, là, je te donne son numéro. Donc, c'était des recommandations, la plupart des clients. Mais depuis que je suis arrivé sur YouTube, en fait, je sélectionne même mes clients. Tous mes clients aujourd'hui, de plus en plus, alors ça va aller même à 100% bientôt. Tous, c'est d'Internet. C'est des clients YouTube, en fait. En choisissant, par exemple, de tourner ses vidéos sur ses chantiers, il fait de la publicité pour son travail et gagne la confiance de potentiels clients. Comme Mustapha. Quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit que lui déjà, il sait ce qu'il dit. Je me suis dit, il est certainement expérimenté parce qu'il est à l'aise quand il fait ses vidéos. Voilà. En plus, ses plans, en fait, c'est des plans modernes. Ce n'est pas des plans en fait, old fashion. Voilà. Qu'on voyait il y a de cela des années. Quoi. Mais c'est ce qui est au diapason et ce qui est vu. Dans le monde en ce moment. Mustapha veut construire un immeuble de 3 étages pour des appartements qu'il mettra en location. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en fait ce qu'on appelle souvent porte-fenêtre? Les porte-fenêtres, c'est exactement ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre une fenêtre et une porte, non. Okay, c'est la fenêtre là qu'on va rallonger vers le bas pour que ça devienne porte-fenêtre. Mais une fois le contrat signé, exit le YouTuber, Justin remet sa casquette d'architecte. À chaque projet qu'on reçoit, on essaie de donner une identité différente à chaque projet. On est très réactif sur nos projets, donc on propose rapidement quelque chose au client. S'il a des modifications, il ramène, ça va vite. Deuxième point, c'est que pour nous, c'est une obligation d'accompagner, de suivre le client, de voir comment évolue son projet. Quoi. Pour total des travaux, 90 millions de francs CFA. Alors, nos maisons ne sont pas du tout moins chères et ça dépend beaucoup plus des clients. En tant qu'architecte, on travaille avec l'enveloppe budgétaire du client. Donc, quand le client il nous dit qu'il a tel budget, nous, on essaie de tailler un projet qui va avec le budget du client. Malgré ça, sur le continent, faire construire sa maison par un architecte est encore considéré comme un luxe. Pour Justin, seuls les réseaux sociaux peuvent les rendre accessibles aux plus pauvres.